Et la team Dark, c'est Dark, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Knockout City. Bon alors, déjà j'ai un truc à vous montrer, déjà de base, hein. J'ai eu Zat. En fait, en farmant les quêtes d'event, j'ai réussi à l'avoir et je suis super content. Du coup, quête Chrome, je ne l'ai plus dans mes kits Chrome. Voilà, hein. Je suis super content, c'est du coup je l'ai. J'ai plus non plus la quête du trophée saison 6 diamant. Ça, il faut juste que je gagne encore 10 parties play quotidien, mais gros pays quotidien, je peux pas. Bon alors, enfin c'est pas que je peux pas, c'est juste que je dis toujours je vais le faire, mais à la fin je dis bah non en fait. En gros, là, il y a un nouvel event avec une nouvelle, un nouveau mode. Du coup, il faut ramasser des pizzas dans tout Knockout City dans les 10 maps. Il faut en récolter 80. Prêt pour un truc vraiment extrême, les tortues ninja débarque dans Knockout City et vous ne pourrez rien y faire. Procurez-vous le pack Tortue Ninja pour rendre vos amis verts de jalousie et débarquer le et débloquer le passe bagarre pour démarrer d'un bon pied. Récupérez les 8 pizzas dans chaque carte spectacle de rue pour terminer les contrastes extrêmes et obtenir toujours plus, toujours plus de bonus Tortue Ninja, donc TN c'est Tortue Ninja. Ensuite, montrez vos talents de bagarreur intrépide dans la playlist rotation de mutation où vos capacités de bagarreur seront mutées à l'extrême à vos carapaces. Bon, alors, j'ai déjà fait 4 contrats extrêmes, il m'en manque 2 et j'ai des connes de Raph. Plus que 4 et maman et j'ai l'icône de Mikey. Pardon. Plus que. Du coup, il y en a 20. Donc, ça régale les joueurs qui jouent pour la quête Chrome de la saison 6. Terminé. Là, il m'en manque 6 pour avoir la banner. La Chrome banner. Et ensuite. Il m'en manque encore. 8 pour débloquer le TNT. Teenage Ninja Turtle Wagon Fête. Donc voilà. En tout cas, il y en a 20, donc c'est énorme. J'ai eu les deux players icônes précédentes qui sont Léo et Donnie. Voilà. Hein. Bon, le pack Tortue Ninja, ça me fait suer parce qu'il est toujours payant. Oh, c'est hyper beau ça. Bah voilà. Il est toujours payant 20€. Close Encounter qui est bah de toute façon là il y a tous les packs que j'aime. Non, il manque 0 mais sinon voilà. Mais 0 je l'ai déjà. Wesh. Montre celui-là, il est super bon. Hein. Comme Alien. Donc. Ghetto Blaster, oui, il est super beau. Oh. Oh my god, cette tenue, je l'adore. Bon, on va faire rotation de mutation. En gros, vous avez un pouvoir spécifique à chaque monde. Regardez comment elle est belle au gameplay. Elle a une grande différence avec la tenue normale. La tenue normale est blanche et jaune. En jaune, ça va beaucoup mieux, voilà. Regardez, la normale est blanche et jaune. Enfin, si tu la mets... Sinon, non, elle est blanche et grise. Que là, elle est grise et rouge. Moi j'adore presque toutes les tenues de passe chromée, à part je pense celle de cette saison du coup, qui est Crocogriller Crocstar filet de bœuf, frère. C'est pas un bot hein, mais il s'appelle comme ça. Donc d'ailleurs, oui, je vous ai pas dit, j'ai changé de bande, la bande Eclipse. Attendez, est-ce que voilà, regardez. Donc le capitaine de bande c'est Sai et son pseudo c'est Crado. En tout cas, il y en a plein. Et du coup, j'ai quitté ma bande. En fait, l'excuse est toute conne. Hein. C'est juste que j'ai quitté ma bande. Il y a aussi Asdamus. Hein. Mais j'ai quitté ma bande parce qu'en fait, ils voulaient que je les aide à avoir leur quête. Voilà. Leur quête de leur crew quest, leur crew contract. Donc voilà. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour montrer où sont toutes
Oh non, pas ce klaxon, c'est le pire. Pour mon... Pardon. Pour vous montrer où sont toutes les pizzas. On ferait un... Je ferai une petite vidéo. Sur toutes les maps. Ah ouais, chaque passe augmente la surcharge. Oh. C'est trop bien ça. Oh non. Non ça, en fait j'ai compris parce que je crois que ça a tout le monde en plus. Là une pizza sur les 8. Il y en a 8 sur chaque map. Hein. Ok là le chrome. Let's go. Oh, il y a une pizza là. Oh non. J'ai loupé 5-0. C'est le premier à 15 hein, d'ailleurs. On va faire qu'une seule partie, il est quelle heure? Ouais, donc ouais, on va faire qu'une seule partie. Mais c'est pas grave. Il y a un effet franchement trop bien. En fait, ça vous fait passer les balles à travers les murs. Donc c'est un season 1 hein, lui, mais... VV55C. Une pizza, again. Là déjà, vous trouvez un peu les locations de pizza. Mais clairement, je trouve c'est... En fait... Je trouve c'est bien que je vous montre les locations. Ah bon bah. Parce que au moins les gens qui sont bloqués avec les pizzas savent sont. Mais normalement ils sont faciles. Hein. Faut se balader un peu partout sur la map et vous les trouverez. Hein. Généralement c'est à des endroits qu'on pense souvent à aller mais. Oh fuck. Ah mais c'est pas grave. Là on est dans quoi? On est dans. Je sais pas quoi, je regarderai après. C'est bien parce que les 20 quêtes events, je vais les faire. Il y en a 6 qui ne sont pas des quêtes events. Donc, 10... donc 14 qui sont des quêtes events, je crois. Enfin, des quêtes à XP. Donc 14 mini XP. Par. Enfin, 14 mini XP dans cet event, c'est déjà énorme. C'est où est-ce qu'il y a le plus de quêtes. Il y a... C'est le truc où est-ce qu'il y a le plus de quêtes. En fait. L'event où est-ce qu'il y a le plus de quêtes. Clairement, je suis super content. J'espère qu'on pourra... Après, on a les ballons qui passent les murs. Mais, en fait, je pense que c'est pour tout le monde. Cet effet, c'est même pour les ads. Dégage. Ah, mince, non. Voilà. J'étais mort, mais il est mort. Wins of blue team. Non. The blue team wins the match. The round, pas the manche. The round. Il 32, oui. Je vais faire qu'une seule partie. Tout le monde explose en une fois, quoi? Wesh! Ça va être trop marrant. Faut s'éloigner de plus. Là, jouer avec les passes, ça sert à rien. Ah ouais, ça explose. Si tu m'avais foutu un ballon bombe dans la tronche, quoi. C'est exactement la même chose. La vidéo d'ailleurs, j'ai pas pu vous la sortir hier parce que j'étais malade. Ouais. L'équipe bleue prend la tête. The blue team takes the lead. Oh, je sais. En fait, c'est bien parce que si t'es trop près de l'ennemi, ça te fait perdre un cœur. Enfin, si l'ennemi est trop près de moi, ça me fait perdre un cœur. Bon, on va être à 4-5. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ça m'en est remonté 5-5, mais. 5-6. Oh,
Waouh. D'ailleurs, j'aime KO Effect Zero. Hein. Enfin, Zero. Mais voilà quoi. C'est pas une excuse. Hein. Là, d'ailleurs, je l'ai jamais croisé, le truc qui te dit. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Le kill que je lui ai fait manger à lui. Désolé des fois si je parle pas, hein, mais je me concentre. Oh, je me suis pris. Ouais, il y a par contre un petit bug. En tout cas, je procède de faire les 50 contrivants pour avoir. La tunique rom de Suzanne. Hop là, ah, non, le double kill qui passe pas. Allez. J'ai cru qu'il avait pré-shot, mais pas du tout. Ah, j'ai cru qu'il avait une balle. Allez, là, on a 11-12. Si on tombe à 11-13, c'est mort. Bah, bien sûr, on va tomber à 12-12. Ok, c'est good. J'ai trouvé, lui, il arrête pas de rattraper, donc... Mais gros, il essaye de perdre. Non! Les cons, ils essayent de perdre. Mais ouais, il essaye de perdre, mais vas-y, il est nul. On peut voir d'ailleurs que dans Bagarre Confinée, j'étais pas récupéré toutes les pizzas. Parce que. Je vais essayer de toutes les trouver et après, je vous ferai la vidéo. Je vais essayer de vous faire la vidéo assez rapidement, genre dans 2-3 jours ou dans. 1 ou 2 jours, un truc comme ça. Je vais essayer parce que. On n'a pas de prise à branquilloser, ça c'est l'un des pires trucs. Bah après tu peux juste tacler. Moi c'est bien parce que ça te fait éviter d'attraper. Juste tackle. Cette map est grande donc c'est chiant justement. En tout cas notre on avait gagné sur Drive-In. Mais Drive-In c'est une petite map, c'est pour ça. Oh mais non je suis nul. On n'explose plus là. Et tout le monde n'a le droit à pas de prise. En fait là c'est tout le monde. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait c'est tout et c'est tout le monde sont égaux, genre tout le monde a la même mutation, que ça soit les ennemis ou alors les gens, les adversaires ou alors les poteaux. Ah bah oui c'est vrai, je peux plus rattraper sinon je le rattrape. Mais... Pour l'instant on gagne 37, ok. Pour l'instant on gagne. Posez-vous! Comment j'ai gagné par contre? D'ailleurs, en fin de vidéo, je sais pas si je l'ai dit, mais je mettrai la vidéo de comment j'ai eu. Comment je l'ai eu la tenue chrome. Alors, comme avec la pizza, comment j'ai eu? Tiens. Oh mais il a pré-shot un truc nul. Moi mais c'est un pouvoir genre ça charge rapidement tu sais. 5-4 6-4, ok. Il y a aussi un mec season 1 dans le team. Ah bah let's go, je crois qu'on a toutes les bits. On a toutes les bits ou pas? Putain ils en manquent 2. Il nous en manque 2. En vrai, je vais chercher les pizzas. Vas-y. Bon, ils vont se dire, mais il y a une mec qui joue même pas. Mais c'est normal, je cherche des pizzas. Des fois, ils peuvent nous mettre des pizzas dans les ravins. Hein. C'est déjà arrivé qu'il y avait des glaces dans les ravins quand il y avait l'Evented Wave, le premier.
Le premier, non, le premier event, Heatwave, il y avait soit un truc. Donc là, peut-être ici. Non, je l'avais déjà. Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà. Je l'ai eu au début. Alors. Où a-t-il une pizza? Où y a-t-il une pizza? Peut-être hier. Hier, il n'y a pas de pizza. Bon, bah alors, ici. Non, même pas. Alors, attends, je cherche. Hein. Si je l'ai pas, ça fera vraiment 1000 XP que je perde. Enfin, que je le perds pas, mais que je gagne pas cette game, quoi. On m'avait compris. Là, ils auraient pu la mettre. Mais en vrai, je pense à un event pour les gens qui viennent de commencer cette saison. Qui viennent de commencer cette saison. Enfin, cette saison. Et du coup, bah, ils ont comme un event pas très difficile, tu vois. Et les gens qui viennent de commencer, c'est vrai que parfois ils commencent, donc ils font un truc pas très difficile. C'est que même par contre, pour l'instant, je saurais pas dire où elles sont. Les pizzas. ...15-7, ok. Ok, maintenant... Ah, là-bas, j'en avais vu une. Ou alors, c'était le corps de l'autre, mais je crois. Pas mal MVP, ben. Il est quelle heure? Il est 40, ok. 1466. En tout cas, c'est rentable. Voilà, j'ai bientôt fini une quête de passe. Bon, c'était Dark. Attendez, ouais, c'était Dark. Ça débat, et je vais vous mettre l'extrait. Yo, du coup, j'ai eu. Hey, la team Darkus. Du coup, j'ai eu la. Ouah, je suis trop content parce que j'ai eu la nouvelle tenue. Nouvelle tenue chrome là. Regardez, 40 contrats event. Terminé 40 contrats event. Bah, j'en ai. Bon, je vais essayer de mourir hein, parce que. Bah, 6 sur 13. Et puis, on a gagné d'avance quoi. Voilà. Let's go. Donc là, ça me fait une quête chrome en moins à faire. Oh là là, je suis trop content. Une quête chrome de moins. Vas-y, je vais en ajouter deux parce qu'il y en a deux qui sont des saisons 3. Comme si je suis saison 1, ça veut pas dire que je ne veux pas ajouter des saisons 3. Bon. Bah, j'aurais jamais réussi sans l'event des tortues ninja parce que c'est en fait c'est l'event le plus facile limite. Ramasser les classes, c'est facile. Et yes. Et yes. Prototype pérenne chrome. Un chapeau. Il y a que les gens qui ont fini le pass saison 6 qui peuvent avoir ces contrats. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle sa mère. Oh là là, c'est vraiment une tenue tryharder ça, je vais la mettre. Oh là là, oh, Sandra, elle est trop belle. GG Darkius, punais, je suis trop content. D'ailleurs, on approche bientôt des 100 abonnés. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Hein. Lolo, cette tenue, mais qu'est-ce qu'elle est trop belle! Elle est en chrome parce que ça me fait une nouvelle tenue chrome en plus. Trois tenues chrome de saison, ça les gars, c'est méga rare. Parce que si vous avez pas fini le pass, vous ne l'avez pas. Ça, par contre, faut l'acheter le pass si vous le voulez. Elle est trop belle en chrome comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va faire sur la tenue Croco Gaylor. Hein, que je vais peut-être bientôt avoir. En fait, faut que je regarde les contrats events. Regardez. Normal, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et là, en chrome. En chrome. Mais mette-moi le joli bébé, quoi. J'étais à 67 tenues, j'arrive à 68. C'est déjà énorme. Mais attends, les 80. Bientôt 70 déjà. Bah voilà, j'ai fait cette petite annonce pour vous. Mais de toute façon, ça va être dans la vidéo Tortue Ninja, dans l'explication des contrats Tortue Ninja. Ça va être dans la vidéo Tortue Ninja. Voir en jaune. Oh oui, en jaune, ça fait encore plus beau. Par contre, en bleu, j'aime pas du. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça fait beau en jaune.
Alors tu vois que là en bleu, tu vois pas trop que c'est chrome. Par contre, en jaune, tu vois très bien que c'est chrome. En plus, cette tenue, je l'adorais. Mais en chrome, gros, elle est super belle. Maintenant, je peux me vanter de dire ça t'a pas la tenue chrome. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein. Allez, bye.